Yeah, man. Don't miss the train. Don't shut your brain. Embrace the pain. Yeah, man. Don't stay, don't do the same. This is not insane. C'est magnifique, mais alors là, on commence à être cuit. Enfin, disons qu'on touche vraiment au cœur du challenge sportif là. Là, tout compte, l'eau, la respiration, les mouvements, faut s'économiser. You're here not somewhere, yeah. Yeah. Wake up. This is not the true story. Là c'est un peu dur quand même. Aujourd'hui on souffre un peu parce qu'on fait que de monter là, on fait vraiment que de monter tout le temps. Là on est en pleine montagne en fait dans le parc régional de Millevaches en Limousin. C'est somptueux. Mais bonjour. Je passe pour un fou, je parle tout seul. Mais on commence à rentrer dans le dur. Vraiment, on le savait, hein. On savait que ça allait être des étapes un peu difficiles. D'autant plus qu'on est chargé. Aujourd'hui, on aura fait à la fin de l'étape un peu plus de 60 km avec 1000 mètres de dénivelé. 1000 mètres, ça commence à causer un peu. J'en perds ma salive. Vous êtes content, vous êtes content, les habitants du village. Ah, à boire de l'eau de chevelu. On sait que c'est quelque chose qui va se mériter, mais là on commence à comprendre pourquoi tous les gens qu'on croise là dans le village depuis tout à l'heure nous disent bon courage, bon courage. Là on arrive au pied du truc, on fait ah ok, d'accord. En fait là on a un gros col à monter, il nous reste 13 bornes et le GPS indique qu'on va le monter à 10 km/h. Et généralement le GPS il surestime toujours un peu. Je sais pas si on entend bien, mais ça vaut le coup d'écouter. Je crois que je vais à 5 km/h. Je vais appuyer un peu une heure comme ça. C'est pas comme eux quand même. C'est arrivé il y a une vingtaine d'années. J'ai commencé, j'avais aucun projet sur l'affaire. J'étais potière. Okay. Et donc, c'est la rencontre avec un copain qui était passionné de plantes et qui a fait que je m'oriente davantage sur la cueillette de plantes sauvages et d'en faire quelque chose, des tisanes, des macérats huileux, des baumes, etc. Je fais des journées découvertes des plantes, cueillettes, cuisine. Je fais des balades comptées sur les plantes. Donc c'est ton activité principale, tu vis de la vente des produits que tu fais. C'est ça, je fais encore un peu de poterie, je fais des animations et j'ai le gîte. On est dans une région semi-montagneuse, donc au cœur du massif du Sancy. Je travaille donc dans ce secteur du tourisme depuis quelques années maintenant. Vivre
à la ferme de la Pelfichade. C'est une expérience un petit peu singulière, c'est un cadre assez atypique. J'ai plaisir d'y habiter, c'est aussi un havre de paix. Quand tu es sur des paysages de montagne, c'est que quel que soit l'endroit où tu es, tu te retournes. Tiens, retourne-toi. Tu as déjà un autre paysage, tu vois les roches, plus que sur la maison où on est dans la pique, tu vois. Tout de suite, il y a une ouverture et tu vois les choses différemment. On a à cœur de préserver notre environnement, notre cadre de vie également. Pour les personnes qui viennent de la ville, c'est un petit peu différent. Eux le voient comme plutôt comme un lieu de vacances, même s'ils voient on va dire, ce joyau que l'on peut avoir, ils n'ont pas cette même vision de préservation sur le long terme. Je ne veux pas trop me tracasser sur le potager. Là, j'ai des ânes qui vont servir à entretenir les packages, mais pas que. Mais de la paille et donc j'ai du fumier à sortir de la cabane au printemps. Et sur le fumier frais, je vais planter des courges. C'est ce que faisaient tous les paysans dans les temps quand ils avaient les tas de fumier devant la porte. Les courges adorent le fumier frais. Et donc tu ne vas pas du tout les arroser de tout l'été, ça va pousser tout seul. On le voit encore maintenant, on a la chance, nous, de pouvoir encore communiquer, parler. Apprendre des anciens des petits villages, de la montagne, qui nous racontent leurs histoires. C'est vrai qu'ils avaient une vie très simple, ils sont arrivés jusque-là sans prétention. Et je pense que cette vie, pour moi, est une vie que l'on peut avoir dans le futur et qui serait même bénéfique aux générations futures. Mais en sauvage, tout est utilisable. Hein. J'utilise la feuille de frêne, j'utilise... les feuilles de saule, j'utilise les feuilles de... Enfin, le bouleau, tout est... Tous les usages qu'on a perdus. J'ai utilisé le millepertuis, par exemple. L'achillée millefeuille, les feuilles de framboisier. C'est pas des choses compliquées, hein, de faire un jardin, de se faire à manger. C'est juste une transition à réapprendre. En tout cas, ce sont des basiques à réapprendre que l'on a peut-être perdu au fil du temps, mais... qui sont très très simples, faut pas avoir peur de ça. Là, tu par exemple, tu fais ton potager que tu as commencé pour la première fois. Ouais, c'est mon premier potager. C'est ton premier potager qu'on va aller regarder, oui. On prend soin de son jardin, on prend soin de soi, on prend soin de la terre. On voit vraiment les choses autrement. C'est une culture qui me correspond bien, très saisonnière. Ce qu'on plante, ça va me servir. Ce que j'ai planté, la noisetier, le cassis pour les petits fruits, l'aubépine, je ramasse le bouton floral. Les mélèzes, c'est super pour construire des cabanes. C'est un bois imputrescible. On essaie d'être en accord, on va dire, maximal avec l'environnement, que ça aille du jardin, d'une vie de tous les jours, en fait. On essaie de faire attention. Alors, on vit avec notre époque. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on exclut toute technologie. On est obligé de vivre avec la voiture. Ça, c'est des choses que l'on ne peut pas couper. On vit aussi avec les ordinateurs, les portables, mais... On essaye d'être en accord maximum, on profite du cadre naturel la plupart du temps. La limonade, c'est... donc je le fais avec de l'ortie, du frêne, de la fleur de sureau. La fleur d'achillée, j'ai essayé aussi, le cassis. Enfin, on peut essayer avec plein de plantes, en fait. Ça va donner une tonalité différente. Et donc, je mets dans une dame Jeanne, c'est les bouteilles en verre, rondes. Pour 10 litres d'eau, je mets 500 g de sucre, 50 g de feuilles et un citron. Et c'est tout. Ouais. Après, bah, c'est la fermentation qui démarre à la chaleur. Et puis, je le filtre au bout de 7 jours et je mets dans des bouteilles de limonade et à la cave. Pendant au moins 2 mois. Et on fait des moxas avec les feuilles d'armoise. C'est-à-dire que les acupuncteurs, ils utilisent ça. C'est des feuilles d'armoise séchées qui sont roulées comme un cigare, qu'on allume et qu'on met en face des points énergétiques. Le diplôme d'herboristerie, d'ailleurs, a disparu depuis les années 40, sous le gouvernement de Vichy. Et donc, depuis, c'est la mainmise des lobbies pharmaceutiques. Ah, donc il n'existe pas de particuliers qui peuvent se servir de leurs plantes et faire des médicaments. Enfin, particuliers, si c'est pour ton usage, oui.
Nous, on est considérés comme producteurs, donc on vend des plantes. Il y a vraiment un moment précis pour cueillir une partie de plante. Par rapport à sa concentration, par rapport au principe actif et à ce qu'elle peut développer. Et effectivement, il y a un monsieur qui s'appelle Gérard Dusserf qui a écrit des bouquins sur les plantes bioindicatrices des sols. Et il disait que dans un mètre cube de terrain, il y avait pratiquement toutes les semences. Il suffisait qu'il y ait les bonnes conditions pour qu'elles puissent pousser. Ah. Et effectivement, avec la chaleur, on voit d'autres plantes qui poussent. Sur les dernières années, en tout cas, on voit que les saisons sont plus marquées, comme l'été, par exemple. Là, depuis 2-3 ans, on a des grosses chaleurs, on a peu de pluie, peu d'humidité. La question climatique, on la retrouve tout le temps maintenant. Chaque jour presque, en parlant avec les personnes. Il y a 50 ans, on pouvait traverser en voiture sur le lac gelé l'hiver. Maintenant, il est à peine gelé à moitié sur les années où il fait vraiment froid. Il a fait froid très longtemps jusque début juin. Et d'un seul coup, il y a un coup de chaleur et on voit pousser à vue d'œil. J'espère que les ressources naturelles, on parlait de l'eau, les forêts, la faune, la flore que l'on a sera préservée. L'avenir idéal, il se rapproche beaucoup de l'avenir qu'on a maintenant. Pour moi, si on garde déjà ce que l'on a, ça sera déjà très bien.